Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Battlefield 5 sur PlayStation 4. Édité et développé par Electronic Arts et DICE, sorti officiel le 20 novembre 2018 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. A savoir que vous pouviez avoir le jeu depuis le 15 novembre si vous avez acheté l'édition de luxe pour une dizaine d'euros supplémentaires. Note moyenne de 16,5 sur 20 sur Game Rankings. On va brièvement parler du menu avant de se lancer dans une mission solo. Et ensuite on partira bien sûr sur un petit mode multijoueur en essayant de ne pas dépasser la vingtaine de minutes. Du coup... Pour ce qui est du solo, le jeu nous propose le même style que BF1, des récits de guerre. Donc voilà, sur différents points du globe, vous allez suivre différentes histoires avec divers protagonistes. A savoir que le jeu nous offrira tout son contenu d'ici le mois de décembre. Vous avez aussi l'appel de ma patrie, qui est en fait une initiation au solo, qui vous apprend tout style de gameplay, aérien, terrestre... Et par terrestre, j'entends aussi véhicules, à pied, etc. Quand je dis que tout le contenu sera disponible d'ici décembre, je parle également aussi du mode Battle Royale. Bien sûr, maintenant, ce mot est présent dans tous les jeux depuis le succès excessif, de Fortnite. Il apparaîtra du coup le 6 décembre. Et ensuite, nous avons le mode multijoueur avec trois modes, conquête, grandes opérations et infanterie. A savoir que l'infanterie, c'est un mix entre la domination, la ligne de front et du match à mort par équipe. Ça mixe entre les trois. Grandes opérations, c'était pareil que dans BF1. Ça se dispute sur plusieurs jours avec plusieurs manches. Sauf qu'à la fin, s'il y a un ex-écho, tout le monde se retrouve sur la map avec une seule vie. Et du coup, les derniers... En vie, les derniers debout feront gagner leur équipe. On s'attardera donc sur le mode conquête qui est le mode le plus joué, mais en attendant, on partira du coup sur le solo. Je vous parle vite fait ensuite du reste du menu. Vous avez du coup votre infanterie, vous pouvez équiper vos personnages, que ce soit sur les forces de l'Axe ou les forces alliées, donc les Allemands ou les Américains. Vous avez 4 classes, soldat, infirmier, le soutien et le sniper, différentes personnalisations pour les véhicules qui vous accompagnent. La personnalisation, comme j'ai dit, est omniprésente dans celui-ci, c'est un des points forts du jeu. Vous pouvez personnaliser jusqu'à le camouflage du chargeur qui différerait du camouflage du canon. Vous avez plusieurs armes en fonction de la classe que vous allez prendre. Et ensuite, vous pouvez bien sûr modifier l'apparence, mettre par exemple un homme ou une femme, et changer par exemple les vêtements, que ce soit le haut, le bas, etc. Léger petit clipping, le temps que ça charge, bon voilà, on va pas faire de chichi là-dessus. Battlefield est connu pour être un jeu de guerre qui est excessivement beau, donc bon, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Une fois que vous les avez personnalisés, ils occupent votre fond d'écran. Et ça, c'est assez stylé. Comme ça, vous pouvez avoir un suivi perpétuel de vos personnages. Ça reste assez sympa. L'armurerie, toujours présente. Vous allez pouvoir récupérer différents packs. Et l'argent que vous allez cumuler, enfin les matériaux que vous allez cumuler durant les games, vous permettront d'acheter des objets à la une parmi une sélection d'armes. Ou même des vêtements pour les soldats en fonction de tel ou tel alignement. Les tâches, donc. Bon, là, après, ce sont différentes tâches à accomplir. C'est écrit dans le titre, bien entendu. Il faut que j'en ajoute une dernière. Je viens d'appliquer la dernière pour gagner des ressources supplémentaires. Je viens enfin de gagner la Sten en expertise, vu que c'est l'arme que je joue, vu que je suis médecin. Et vous voyez qu'en fait, il y a, par exemple, 2 tâches sur les 3 demandées à accomplir pour avoir la récompense en dessous. Ou 3 à accomplir sur ces 5. Donc voilà, ce n'est pas tout n'est pas à remplir. Tant mieux. Faut pas s'affoler non plus, et le profil qui va vous permettre de suivre votre personnage, ratio, game, etc. Je scinde directement, on va se retrouver pour un mode solo, il est temps de voir graphiquement ce que le jeu nous réserve. Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery,
arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now, that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you, then? Started all them troubles on your own. Oh, yeah? I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Do you like the fucking seaside? Teams of two, move! Oi! I'm sick! I'm chugging me guts up over here! Oh! And you're just strolling off! Oh, Bridge, liven yourself up, come on! There's a lovely little ice cream shop down there and I'm treating you to a cornet. You just a piece of work, Bridger. Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. You still have the explosives on ya? Yeah. I modified them a bit and all. Right. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no, then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Great. Are you sure about these bombs of yours? These safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate, don't you worry. What if I get caught, though? You're just going to piss off and leave me, huh? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now, listen to me. Carefully. I'm going to put my bombs on those planes over there. And you are going to put yours on them there. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy. Whoa, whoa, whoa! Alors, donc, première mission du solo, je découvre en même temps que vous, par contre. Qu'est-ce qu'on a là? Ça sera toujours mieux que mon M1911. Ah, vous l'avez vu, hein? Le petit kill sneaky, vous l'avez tous vu. Donc parmi les missions solo du coup de Battlefield 5, faut se dire que la mission en fait est répartie en plusieurs chapitres, ce qui fait que du coup même si dans BF1 on voyait qu'on pouvait les faire chapitre par chapitre, là c'est une continuité. Allez, mange. Ils veulent donner l'alerte, on voit le symbole au-dessus. C'est sympa. Après, vous pouvez aussi utiliser les jumelles pour faire du repérage et les garder, avoir un marqueur fixe sur votre ennemi pour pouvoir le voir se déplacer en temps réel. Oh, wow. Au moins comme ça, c'est radical, tu me diras. Putain, mais le Kar-98, par contre, il fait mal, hein. On peut pas le nier quand même, la technologie allemande quand même, c'était réellement au-dessus en guise d'armement à l'époque. Même si on sait tous
que les soviétiques étaient légèrement en avance fin Première Guerre mondiale avec l'arrivée de la Kalachnikov, que vous devez sûrement plutôt connaître sous le nom de AK-47. Le système d'armes automatisées, ça vient de chez nos amis les soviets. Au moins, c'est marqué sur la map, l'objectif, comme ça on va pas se perdre. Le système de boussole, au moins, voilà, y a pas de traceur sur le chemin. Enfin, on sait juste qu'il y a une distance et un endroit où aller. Donc ça reste assez pratique. Et comme je disais, comme il y a plusieurs chapitres et que la mission est assez longue, eh bien je m'arrêterai là, je vais faire genre deux styles de checkpoint et enfin, on va voir quand il y aura une pause déjà pour voir à peu près où on en est. Je suis un peu pris au dépourvu avec ce genre de jeu parce que c'est toujours des tests assez longs, ce qui fait que quand on fait un gameplay découverte et commenté, ah, on sait jamais quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quoi. Le jeu est quand même foutrement bien fait. La tourelle DCA, là, celle que je viens de passer, c'est une des nouveautés du jeu, ça. Figurez-vous que maintenant, avec des véhicules, on peut utiliser un treuil dans le mode online pour déplacer des DCA. Et les DCA, c'est l'espèce de canon qui bombarde les avions. Et c'est assez sympa de... fermer. C'est assez sympa du coup de voir qu'il y a deux trois petites nouveautés, quoi. C'est toujours stylé ça, ce principe de l'heure là. Allez, on va essayer de se dépêcher. Nice. Il faut aller là. Allez, grimpe, grimpe. Voilà qui est fait. Bon, je crois qu'ils m'ont repéré, mais je pense que j'ai passé un checkpoint, ce qui fait qu'ils ont dû me lâcher. J'entends ça. Ils ont l'air de vouloir défoncer la porte. Non, au final, en fait, ils vous suivaient quoi qu'il arrive. Par où est-ce qu'il faut que je sorte? Cherchons. Donc, en fait, après, pour vous dire, ce BF, en fait, je trouve qu'il tient toutes ses promesses parce que, en gros, j'ai l'impression qu'ils ont pris le meilleur des derniers BF en date, en fait. Si je vous dis, par exemple, que le gameplay, franchement, l'un des gros points forts, c'est la précision, en fait, je trouve. Les armes sont beaucoup plus précises que dans les précédents BF. Et ça, c'est beaucoup... C'est super, c'est franchement cool. On se retrouve, en fait, limite avec un gameplay à la BF3, le BF adulé de tous les joueurs avec des maps overground. Et du coup, si je devais vous dire que ce BF5, en fait, c'est un mix entre le gameplay de BF3, des maps à la BF4... pas forcément ouf, mais certaines très intéressantes sur lesquelles on pourrait rester vraiment des journées entières. Et néanmoins, un esprit BF1, parce que ça reste quand même le style BF1, parce qu'on est plus proche de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. On est dans la Seconde Guerre mondiale, là, l'événement se passe en Afrique en 1942. Donc ça reste le style, ça reste l'époque. Les vidéos s'enchaînent très vite. Hein. On l'a pas vu réellement atterrir derrière le petit muret. Oh, t'es expert en explosif, mec. Ouais, bon, là tu l'es un peu moins. Sweet Jesus. Here we are. At Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, it? You can't. What the fucking hell was that? I've occasionally teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking. En tout cas, les voix sont super bien choisies. Il n'y a pas de VF pour le jeu, pour ceux qui veulent savoir. Le jeu est complètement sous-titré. D'ailleurs, Battlefield. Non, j'allais dire, n'avait jamais fait de voix française, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. On se rappelle bien entendu de la fameuse VF de Battlefield Bad Company. Get to the archery!
Mais depuis, bon, on n'a plus, tout ça, quoi. Bon, du véritable gunfight. Donc on a passé une petite phase... une petite phase d'infiltration. Quand j'ai les jumelles ou là, la batteuse... Je sais pas, à chaque fois que je suis en interaction avec quelque chose de divers, si je bouge le joystick, j'ai l'impression que la sensibilité, elle est fois 1000, quoi. C'est incroyable. Il va falloir que je change ça dans les réglages. Bon, je le ferai pas maintenant, mais... Mais après ce test... Wow. Vous avez vu à quel point ça va vite, hein? Je vais bouger que le joystick gauche, hein, de toute façon. Oh, ça me bloque la route, hein. Et blow. De toute façon, faut aller à la DCA, c'était marqué. On va abattre un petit peu des avions. Ah, c'est. Les sons. Oh, ouais, non, c'est fou. C'est clairement fou. De toute façon, le CABF, c'est le jeu de combat, enfin le jeu de guerre, mais qui est revenu pour ses graphismes incroyables. Vous allez me dire, comme dans tout jeu avec de bons graphismes, il suffit un petit peu de s'approcher des textures pour voir les légers défauts, mais franchement on va pas titiller à ce point quand même. Après avoir descendu les avions, j'adore regarder les crashs, c'est abusé. Et ben voilà. Bon, allez, on va s'occuper des autres là parce qu'ils me faisaient chier. Ah, mais c'est un ennemi ça. Ah bon, bon, ben j'ai terminé. Oh, t'as bien eu de la chance toi. Bon, enfin bref. Du coup, voilà. Bon, ben tiens, ça me fait deux cinématiques, donc ouais, deux checkpoints. On va s'arrêter là et on va enchaîner de suite avec le mode online. Allez, on limite le spoil. C'est parti, ça va, yesh. Donc, comme je l'ai dit, je joue infirmier en online. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Il y a aussi une nouveauté, la construction. Quand, bon, vous savez que toute structure peut être démolie dans BF. Eh bien, sachez que là, maintenant, vous pouvez reconstruire certaines barricades, comme des sacs de sable ou autre, hein, et ça reste... c'est un point qui est pas négligeable, c'est sympa, ça vous offre en plus des points en fin de game, enfin, c'est... ça remercie, on va dire, l'entraide générale. Le jeu est fait pour penser un petit peu plus équipe, on est bien sûr loin d'un... Loin d'un Call of, c'est sûr, donc il faut forcément un petit peu plus penser à ses teammates. Bon, donc c'est une sorte de domi, de toute façon, vous le savez, c'est de la conquête, hein. 700 réapparitions à chacun, des points à capturer, et quoi qu'il arrive, même on perd des points, même si aucun point ne serait pris. Les kills aussi sont comptés comme des morts. Je suis équipé du coup aussi, de, en plus d'une grenade, d'un lance-fumigène. Oh là 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 là, le double, triple peut-être. Et oui, le triple kill. On apprécie dès le début, le joueur français. Donc voilà. Faut aussi savoir aussi se mettre à couvert, hein, tirer partie des angles de la map. De toute façon, c'est un BF, je ne vous apprends rien. Et vous pouvez ensuite aller res vos collègues. Voilà. Ouf. Oh, le pet que j'ai pris. Bon, vous savez quoi, je pense que de toute façon, le online va parler pour moi. Sauve-moi, bordel. On peut stopper l'hémorragie avec L2 ou R2 pour pousser la mort. Bref, donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va enchaîner le mode online avec des cuts. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'on se rapproche dangereusement des 20 minutes si je ne les ai même pas dépassés à ce moment-là. Je sais pas avec le record, je sais pas exactement à combien je suis. Non, selon moi, je pense que je dois même y être. Donc on va pas perdre plus de temps. Non pas que je vous déteste, mais j'ai pas envie non plus de vous garder toute la journée. Donc on va faire sous forme de cut. Bordel, mais c'est incroyable. Personne dans vos collègues ne vous reste. Même les médics qui vous restent pas, quoi. C'est incroyable. Oh. Ah, il s'est fait sauter, lui. Génial. Et on va se couvrir. On va se couvrir un peu. Et c'est bon, c'est le kill.
Tranquille, tranquille. On reste tranquille. Génial. Tu m'as eu d'où, toi, avec une MG? Ah, enculé, de si loin. Putain, la précision, c'est un truc de fou. Y'a personne pour m'aider? Y'a ceux en haut, là. Aidez-moi! Non. Non? Toujours pas? Faut pas rêver. Oh, le beau monde. Eh oui, vous aviez pas vu sur le balcon. Tiens, prends-toi du kit, toi. Non, ils viennent pas? Oh, ils sont timides. Je vais t'apprendre à rester devant moi, quoi. Oh, c'est un endroit parfait pour se caler, là, ici, là. Dur d'avancer, quand même. Hein. Oui, le mec à la lunette, il est mort. Comment il m'a eu, lui? À travers le bois? À travers le bois, forcément. Oh, ben là, je peux toujours aller enculer un lama pour me faire raise, moi. Je vais t'apprendre à essayer de m'avoir sur le teco gauche, toi. Si je suis trop ché. Oh, oh mais non. Putain, je l'ai mis 60. Ah, tu l'as buté. Allez, non, mais que quelqu'un me raise. Allez. Oui, ça y est. Enfin du teammate ici. Ah. Me voilà. Conquis. Il y a des tirs de partout. C'est ouf, on entend les tirs, mais on sait pas d'où ça vient, quoi. Oh, le headshot, magnifique. Allez, moi je viens de te raise, parce que je suis un vrai médic, digne de ce nom. Ils doivent être tous à droite. Hein. Et oui, oui, il y a la main à gauche. Ah, à droite. Donc on va aider à gauche, on va smoke. Comme ça, mon collègue va avancer. Et mon... Dans le dos, mais... Oh, génial le backup, quoi. On va voir si mon plan de les contourner fonctionne. Oh là 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 là. Attends, il y en a un autre là-bas. Mange ma grenade. Qu'est-ce que j'ai ramassé? C'est quoi cet obus que j'ai pris? Oh ouais, non mais bon, là j'ai contourné. Là, il y a zéro chance qu'on me raise encore une fois. Oh putain, à chaque fois j'ai des occasions et je les gâche, quoi. Tu veux pas me raise? Ah bah toi là, voilà, enfin quelqu'un de dévoué. Fais vite, j'ai plus beaucoup de temps. Non? Non mais, t'es sérieux? Oh, mais laisse-moi crever la gueule ouverte, je te dirai rien quoi. Tocard! Ah, ils nous prennent tous nos points, ils vont pas en plus nous prendre A quand même. Ils sont où les autres? Ouais, je t'avais aperçu. Je suis mal. Oh là là, mais quel travail, quelle efficacité. Ce médic est partout, sur tous les fronts. Y'a pas un petit gars caché là. Et si... Ouais, forcément, quand on fait pas de spray, la stance c'est très précis. Putain, mais j'en reviens pas là. Je fais une game pas dégueulasse. Mais masse quoi, ils nous mettent sangria dans la gueule quoi. Okay. Oh bah tiens, ça t'apprendra à essayer de m'avoir au Luger quoi. Le mec il a essayé de m'humilier puissance 1000 quoi. Regardez-moi le peuple qu'on est là, tout le monde, hein, un troupeau de souris là qui a qu'une envie, c'est de passer dans l'allée quoi. Allez, je reste même si je suis sous le feu ennemi. Aïe, ça m'apprendra. Toi aussi t'en veux, tiens. Hop là. Bon, au moins, l'avantage avec Medic c'est que vous prenez au taquet de points même si vous faites pas forcément une bonne game. Et ça c'est cool quoi. C'est l'une des seules classes qui, même sans faire limite aucun kill, vous arrivez à level avec tout ce que vous pouvez faire pour vos teammates. Il commence à y avoir un peu trop de monde par ici.
Oh, ils sont tous morts de l'autre côté. Notre cher troupeau de souris. On va tenter d'en rester le plus possible. Faire attention. Non, dans le dos. Quelqu'un va me rester quand même. J'ai été si dévoué avec vous tous. Non mais honnêtement, il m'ignore ou quoi? Ah, quand même. Oh, c'est pas... C'est incroyable, hein. Depuis le début de la game, hein, y a personne pour m'aider. Hein. C'est la deuxième fois où je me fais raider. Où t'es, toi? Celui qui m'a mis... Ok. C'est essayer d'arriver par, par une rue adjacente. Essayer de keblo tout ça. C'est un peu oublié. Lui, il m'avait même pas vu. Il y en a un qui est tout au fond, j'ai vu. On va aller faire le tour. On va aller te chercher. Ah, je t'oublie pas. Je suis sûr que tu dois être pas loin. Ok. Ils sont plusieurs. Allez, on va tenter. Oh, ils sont un peu trop nombreux. Un. Deux. Ah, putain, bonne session avant que je meure, quoi. Oh. Haha. Qui va m'arrêter maintenant? Qu'est-ce que tu essaies de faire avec ta fumigène, toi? Tu m'échapperas pas, je suis inarrêtable. Avec un tank, on est inarrêtable. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et merde. Et si on allait capturer D? Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, cache-toi! Il n'y en a qu'un? Oh, et puis merde, allez. Voilà, deux kills. Ils sont où les autres? Non, en vrai, vous avez vu ce monde-là qui est arrivé d'un coup? Voilà, ça continue. Hop là, capturons D tranquillement. Il y a personne. C'est cool. Oh mais il y avait personne il y a deux secondes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh mais quelle logique quoi dans ce jeu. Ah bon. Ben on a perdu, ils avaient 130 réa de plus que nous. Putain, quelle horreur. Enfin bref, bon, et eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, après cette présentation du solo et du online. Ah, Gaston, c'était mon escouade, on est 3ème meilleure escouade. Bon, et eh bien écoutez, sur ce, du coup, j'espère que ce test gameplay découvert vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, et à ciao.